C'est pas un endroit raisonnable pour stationner, peut-être? Désolé! Je peux pas être en retard pour mon heure de gloire! Mesdames, messieurs, nous avons un paquet de vainqueurs de premier plan! Mais il est temps d'accueillir notre premier prix, la récompense ultime, la couronne du roi, la chaussure d'or! Ah! J'arrive juste à temps pour mon trophée! Je suis heureux que tu te joignes enfin à nous, El Matador. Ouais, t'as que 2 heures de retard. C'est d'un barbant, ces cérémonies. C'est fou, quand même. Yep, et tu sais de quoi tu parles, Shex. Mais tu la supporteras mieux quand j'aurai remporté ma chaussure d'or. Elle est nommée son. Oh, c'est mon moment! Riano, du Barca FC. El Matador, pour les Super Strikers. Scara, des Invincible United. Et Shex, toujours pour les Super Strikers. Et... le vainqueur est... et... le vainqueur est... Chase! Je suis le meilleur, je sais! Mon pote, t'as pas gagné! Quoi? Hein? Bravo, mon ami! Mais ne compte pas sur moi pour te faciliter la tâche l'année prochaine. Le contraire me décevrait, mon ami. Une fois encore, ton équipe te conduit jusqu'au trophée. Eh bien, peut-être que tu devrais jouer collectif de temps en temps. Ça peut aider à recevoir ce genre de prix. Bah, arrête! Regarde-moi ça! Si ça se jouait contre toi et moi, je gagnerais à chaque fois. Dommage qu'il n'y ait pas de trophée de plus grand tricheur, parce que là, c'est sûr que tu le remporterais chaque année. Waouh, les amis! D'abord, la victoire des Strikers en Super League la saison passée, et là, ça! J'aurais jamais pu réussir sans mon équipe. Vous avez entendu? Il n'aurait jamais rien pu faire sans moi! Enfin, quoi qu'il en soit, merci à vous tous. Je vais maintenant devoir me lancer un plus gros défi pour la saison prochaine. Pourquoi attendre la saison prochaine, Shakes? Pour vous, Monsieur Shakes. Qu'est-ce que c'est? Très cher Shakes, Miss Saltivo a le plaisir de vous inviter sur son île privée pour un tournoi de football unique en son genre. Ah, c'est trop! T'as la chaussure d'or et maintenant tu as aussi la lettre sur papier doré. C'est pas juste. Monsieur El Matador. Voilà, je préfère ça, voyons. Cher El Matador, votre voiture est à la fourrière. Hein? Ah! Ben, ça peut être chouette de faire un truc un peu différent. Au lieu de te prélasser au soleil... En écoutant des chansons super groovy. Et en sirotant de merveilleux cocktails dont tu te rempliras le bidon. Vous en faites pas, ça va aller. Ma revanche... Nous allons bientôt atterrir et bienvenue sur Altimo Island. Waouh! Salut, Shakes! Ah! El Matador? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon invitation a sûrement dû se perdre à la poste! Vraiment très drôle, Shakes! Shakes? Salut les gars! Hey! Salut Shakes! Hey Shakes! Voilà. Comment tout va? Tiens, tiens, tiens! Mais c'est Monsieur Chaussure d'Or en personne! Je vois que t'es venu avec ta babysitter, Shakes! Alors d'abord, je ne suis pas son babysitter, je suis... son père spirituel, son héros, mais je suis le héros de tout le monde! Et de quoi il s'agit au juste? Nous n'avons vu personne depuis notre arrivée. Ils vont essayer de nous vendre une multipropriété! Chers messieurs! Oh. J'entends vous offrir quelque chose de bien plus exaltant que ça. Le défi de toute une vie. Une île tropicale paradisiaque, transformée en un terrain de jeu absolument exceptionnel pour des joueurs tout aussi exceptionnels. Dribble, équilibre, endurance. Voici votre chance de mesurer vos compétences à celles de vos plus grands adversaires. Ensuite, les deux derniers en lice s'affronteront sur un terrain unique en son genre.
Et pourquoi on accepterait de jouer dans ce tournoi ridicule? Ouais, qu'est-ce qu'on a à y gagner? L'occasion de déterminer lequel d'entre vous est vraiment le plus grand joueur de votre génération. Mais, si l'un d'entre vous ne se sent pas apte pour ce challenge, mes avions sont prêts à décoller pour vous ramener chez vous. Ouais, bande de losers, pourquoi vous rentrez pas chez vous prendre un petit cappuccino? Moi je reste et je vais gagner. Ne rêve pas, Scarra. Oh, mais vas-y, reste, Shakes. Et je montrerai à tout le monde pourquoi la chaussure d'or aurait dû me revenir à moi. Très bien, on commence quand? Je suis vraiment navrée, El Matador. Mais mon tournoi est réservé aux personnes ayant été récompensées. Fichu destin! Mais pourquoi autant de haine? Pourquoi n'iriez-vous pas simplement vous détendre dans notre salon VIP? Vous y trouverez un petit cadeau de bienvenue. Un cadeau, vous dites? J'y vais tout de suite. En ce qui vous concerne, votre destin vous attend. Bonne chance. Je vous reverrai sur la ligne d'arrivée. Si vous tenez le coup jusque-là. Paré pour des vacances aventureuses, Shakes? Ouais. Je me dis juste que j'aurais dû prendre mon maillot de bain. Le charbon crépite, capitaine! Pigé, mon frère! Comme si c'était fait! Probablement en retard. Comme d'hab. Dehors, c'est en 3D aussi, Klaus. Courez si vous voulez survivre. Chaque pas est une aventure qui peut être fatale quand vous affrontez une jungle hostile. Dégage de là, espèce d'avorton. Les Super Strikers ont peut-être fini en haut du classement, mais tu ne vois rien en matière d'expédition dans la jungle. Cette île pathétique est comme un entraînement pour les poussins chez les Iron Non. C'est pas un parcours de santé. Ça a l'air dangereux. Rattrapez-moi. Les gars, il y a une bûche. Ouais, c'est le lapin de Pâques qui a dû la perdre en apportant une galette au Père Noël, je vois que ça. Non, je parle de ça. C'est pas vrai. Pas de chaussures d'or, pas de Bristol doré. Et maintenant, pas moyen de trouver le salon VIP. Ça, ça craint. Opérateur 1. Ils sont presque arrivés au grondement de la jungle. Excellent. Opérateur 2. Le pilotis de la terreur est opérationnel. Hein? Ces challenges, c'est un jeu d'enfant à côté de la recherche du salon VIP. C'est plutôt le salon vraiment impossible à pénétrer. Scarra, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as éjecté Liquido? Comportement hautement indigne. Si vous voulez jouer les Boy Scouts, faites griller de la guimauve. Moi, je suis là pour gagner. Gardez le ballon au-dessus des piliers de la terreur et gare à la chute.
parce qu'ici, qui tombe meurt. Oh. Vous entendez la même chose que moi? Exactement. C'est carrément une descente vers l'enfer. Hé! Par ici! Passe la balle, discute pas! Chuck, non! Ouais, je sais ce que vous allez dire, je suis un très vilain garçon. Bon, lequel parmi vous sera le suivant, hein, les losers? Bingo. Jumbo Shakes! Scara, je suis si triste de vous voir éliminée. Notre public adorait la rivalité qui vous oppose à Shakes. Votre public? De quoi vous parlez? Vous inaugurez mon tout nouveau reality show, Soccer Island. Les pilotis de la terreur, Scara échoue, Shakes survit. Il ne reste que 4 superstars en course, mais seulement 2 s'affronteront dans le cœur du volcan. Et un seul sera sacré... Empereur de Soccer Island. Wouhou! Tout ça, c'est bidon? Je préfère le terme de réalité scénarisée. À présent, pourquoi ne suivriez-vous pas la suite de l'émission dans notre salon VIP? Pour voir Shakes gagner? Bah voyons, j'en ai ma claque de Loser Island. Moi, je dis qu'on va se régaler. Oh que oui! Je peux plus attendre. Klaus, combien de fois faudra qu'on te le dise? On ne viendra pas t'écouter chanter au karaoké. Son soi-disant grand tournoi secret des champions n'était en fait qu'un reality show people. La télé-réalité, c'est n'importe quoi. Tout est bidon, tu sais. Tout est entièrement scénarisé. Qui saura se montrer assez fort pour affronter le volcan Inflammo? Une épreuve finale hors du commun. Au-dessus d'un magma de lave en fusion. Ça coûte rien de regarder quelques minutes. Est-ce que c'est ça le salon VIP? Ah, le canapé m'a l'air confortable, mais je suis vraiment pas fan de cette déco bizarre. En tout cas, pas de cadeau en vue. Hein? Allez, faites que ce soit là! Ah! Je trouverai jamais ce salon VIP! Pourquoi tu continues à t'obstiner? Ils te laisseront pas entrer. T'as remporté aucun trophée. Ouais, si on met de côté la Coupe de la Super League, ça te dit quelque chose? Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je crois qu'il est temps de donner à ces losers un peu de réalité bien réelle. Et en pimenter un peu cette partie. Franchement, les gars, vous êtes nuls. Miss Altivo, nous avons identifié la source d'interférence. Il est en salle de contrôle, numéro 3. Scara. J'appelle la sécurité. Non, j'ai une bien meilleure idée. S'il y a une chose que le public aime plus encore qu'un héros, c'est un méchant, vraiment très très méchant.
Stade volcanique, nous voilà. Tu es au courant que je ne t'ai fait aucun cadeau, mon ami. Ah, mais ça, j'y compte bien, mon vieux. Jake et Riano sont en route pour relever cet ultime défi. Mais ils ignorent qu'un esprit maléfique tire les manettes. Quoi? Scara? La vache! Je t'avais dit que c'était bidon. Qu'est-ce que Scara fabrique dans la salle des commandes? Si je ne peux pas gagner, personne gagnera. Je crois que c'est plus vraiment ce qu'on peut appeler des vacances, Shex. T'en fais surtout pas. Je te tiens, mon pote. Il semblerait que non, mon ami. On dirait que je vais t'en faire des cadeaux, finalement. Ah non! Tu peux y arriver, Shex. J'imagine que ça veut dire que Shex a gagné. D'accord, je veux bien l'admettre. C'est vrai que c'est plutôt cool. Pour de la télé-réalité. Plutôt cool? Attends, c'est le truc le plus gueudin que j'ai jamais vu! Ok, est-ce qu'on a fini maintenant, Altivo? Y a plus personne? Je suis le seul qui reste? Hein? Les règles ont changé. James. Non, j'y crois pas. Oh non! Comment peux-tu être de retour dans la compète? Oh, attends. Laisse-moi deviner. Tu as encore triché. Dommage qu'il n'y ait pas d'arbitre à qui te plaindre. Pas d'équipier non plus pour t'épauler. Et pas de règlement à la noix derrière lequel se réfugier. Maintenant, on va voir qui est vraiment le meilleur. Il est si naturel. Le public s'impatiente. Il est temps de faire rouler le ballon. L'heure de la défaite a sonné. Et si on corsait un peu les choses, qu'en pensez-vous? Tu as perdu, Shakes. Peu importe combien de trophées tu as remporté, tu as toujours su qu'à un contre un, c'est moi le roi. Hein? Démolis-le! Allez, mon frère. Maintenant, le monde entier saura qui mérite la chaussure d'or. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ah, ce que t'es crétin. Rien de tout ça n'est réel. C'est de la télé, réalité, Shakes. Mais plus pour très longtemps, à vrai dire. Quoi? Shakes! Si t'es à la télé, alors je crois que ton audimat s'apprête à chuter. Quoi? Non! Toujours pas de salon VIP! C'est clair, je crois que je gagnerai jamais rien. Et le grand gagnant est El Matador! Écartez-vous, Urson! Mais comment est-il arrivé là? Aucune idée, Miss Altivo. Il était censé entrer dans le salon VIP. Ils ont dû se battre contre la jungle. Tenir en équilibre au-dessus du vide, mettre leur nerf à rude épreuve sous des eaux inamicales et livrer un duel au-dessus d'un volcan en colère. Mais un seul joueur a eu les compétences, le courage et l'endurance pour devenir le tout premier champion de Soccer Island. J'ai toujours su que j'avais tout ça en moi. Mais c'est quoi Soccer Island? Autant d'organisation, autant de travail acharné. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Miss Altivo. Ça reste de la télé-réalité. Tu l'as viré! T'es qu'un crétin! Tu l'as laissé gagner! Il était même pas censé être ici! Pourquoi tu vas pas te plaindre à l'arbitre? Oh, c'est vrai, il n'y a pas d'arbitre. Chase, mon ami! Je suis heureux que tu sois entier, l'ami. Moi aussi, mon ami. Alors, qu'as-tu pensé de Soccer Island? Bah, je dirais que c'est pas tous les jours qu'on doit jouer dans le cratère d'un volcan. Ah, vous me donnez tous envie de vomir! Je vais aller dans le salon VIP!
très grand honneur. Bon, sinon, il est où mon cadeau? Mais il n'avait même pas reçu le carton d'invitation. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bidon. Peut-être qu'il va y avoir un twist final. Ouais, le rebondissement, c'est qu'on a gâché notre après-midi pour rien. Hein? Oh, oh non! Ah! Je l'avais dit. Ouais, ça craint carrément, les gars.